Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui et pour un gameplay de Splinter Cell Blacklist, salut. La suite de votre feuilleton tout de suite, prochaine attaque de la Blacklist American Freedom, 2 jours, 17 jours, ok bah je pense qu'on est parti pour ça, hein. Vous allez voir j'ai fait quelques petites modifs dans l'équipement, au niveau des armes, hein. Je parle pas de la tenue, mais au niveau des armes, oui, vous allez voir que j'ai fait quelques petits ajustements. Quelques petites nouveautés. J'en ai rien à foutre, passe-moi à la mission. James, ah non, je me suis qu'est-ce trompé. Qu'est-ce qu'on a tiré des documents qu'on a trouvés à Londres? Non, mais ça, on l'avait déjà. Apparemment, leur. Je le savais déjà. Mission de Grimm, solo copain. Merde. Retour. Tiens-moi 3. Au courant. Merde. Oh, non, désolé, j'arrête pas de mettre échappe. J'arrête pas de mettre échappe. Non, c'est sur lié, mais est-ce qu'il faut qu'on aille? Hop. Voilà. Alors. Au niveau des missions, qu'est-ce qu'on a là? Contre-espionnage, Saint-Louis, Missouri, menace malaisienne. Ouais. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une mission journalière, peut-être. Saint-Louis, Missouri, menace contre-espionnage. QG, Téhéran, Iran, campagne solo. Non. Alors, ça, c'est la campagne solo. Tout ce qui est en rouge, c'est la campagne solo. Coop solo, Grimm, repère des pirates. On va se focaliser quand même sur la campagne solo, je pense, mais ça, je sais pas du tout ce que c'est. Oui, ça doit être quotidien, parce qu'il y a un décompte, donc c'est une mission quotidienne. Contre-espionnage, ouais, c'est ça. Bah écoutez, on est parti pour la campagne solo. À Téhéran. Que nos agences de renseignement étaient tellement compromises qu'elles n'ont pas remarqué qu'une importante usine de traitement d'armes chimiques opérait en pleine ville, en plein Londres. Comprenez, monsieur le Premier ministre, Sadiq travaillait pour nous, pour le MI6. Nous pensions avoir tout nettoyé après sa défection. Pourriez-vous être un peu plus précis, je vous prie? Nous avons mis à l'écart tous ses collaborateurs. Nous en avons renvoyé 6 et nous en avons mis 4 sous surveillance avant d'en renvoyer un autre. Nous avons mis en place des contre-mesures électroniques et nous avons bien sûr désactivé tous ses accès. Qui plus est... Et malgré ça, il a réussi à faire entrer en plein cœur de la city suffisamment d'armes chimiques pour gazer 500 000 de personnes... Oui, 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 oui. Peu importe. Vous allez tout me passer au peigne fin. Ça chauffe. De la cave au grenier. Et ça je chauffe, veux des résultats. Chauffe. C'est clair? Oui. Ah, super. Donc, en même temps, là, j'en profite, je regarde. Clé USB, cible recherchée, ordinateur de la Blacklist. Grâce aux améliorations du paladin que j'ai acheté dans l'épisode précédent, dorénavant, les clés USB sont affichées sur mon radar, enfin sur ma mini-carte. De même que les ordinateurs, si je ne dis pas de bêtises. Bref, lancez le briefing. L'Iran n'ouvre pas ses portes, on s'en cogne. Bam, bam, on leur défonce leur... Ils mentent tous. Encore une fois, les Américains crient au terrorisme. Rappelez-moi d'accord. Ce qu'on vient faire. On a trouvé des documents, mais aucun lien entre l'Iran et la Blacklist. J'ai pas l'impression que les détails les intéressent. Même si ces documents sont faux, le Congrès veut du sang iranien. Caldwell ah ouais, devra hein. déclencher une guerre si on lui donne pas un autre choix. Ça veut dire qu'on en a pas? Du sang, hein? Non. On a ça. Notre ancienne ambassade en Iran, c'est pas... Le QG des Alcotes, maintenant? C'est une EP un peu risquée pour Caldwell. Ce n'est pas la sienne. D'accord! C'est la mienne. Oh. Oh, j'aime quand elle et dit quoi, ça comme ça. On va rien lui dire, c'est ça? On cache cette petite virée à la présidente des États-Unis, c'est ça le plan? Bah ouais! Je veux dire, il est parfait le plan là. C'est oh, risqué, arrête de discutailler là. Même pour nous. Mais non! C'est le seul moyen d'empêcher une guerre. Ou de la déclencher. Début de la mission, rien ne me fait peur. Il faut agir vite. Personne, même chez nous, ne doit s'apercevoir de rien. Je crois que je vais être malade. Reste concentré. Ça... Est-ce qu'on peut envoyer un drone sans qu'il nous attaque? Toujours le petit mot pour j'ai rien. Corrigé la faille que les ingénieurs ont exploitée. J'ai ajouté un niveau de sécurité ça, et un Charlie. Mécanisme d'autodestruction. Un oui aurait suffi, Charlie. Et Briggs, oh. Tu le veux où? Il est out. Tu comptes y aller seul? Comment on entre? Dis-moi. Pas comment. Avec qui? Je l'envoie sur ta montre terminale. C'est un des bâtiments les plus sécurisés au monde. Ouais, c'est impossible. Entrer ne sera pas le plus difficile. Mais les serveurs sont totalement isolés. On va devoir extraire les données physiquement. J'envoie leur configuration matérielle sur ton poste. Mais on peut pas... Sois un peu positif, Charlie. Ouais, positif, voilà, positive attitude. Voilà. En tu tout cas, Briggs... utiliser des Briggs, méthodes disruptives pour entrer et sortir du QG de la Alcode. L'IEM te permettra de surprendre l'ennemi et le trirotor te donnera l'avantage. D'accord.
Alors le Trirotorb, ça on l'a. Non, oui. Et l'IEM, l'IEM, donc je vous rappelle que l'IEM, c'est un gadget qui sert à neutraliser tous les appareils électriques, enfin électriques ou électroniques, ouais, bref, c'est pareil, ou toutes les armes hein, principalement. Mais alors là, par contre, je vois pas l'IEM, l'IEM adhésive. Voilà, génère une impulsion électromagnétique qui active temporairement les systèmes électriques. Ben voilà, idéal pour le style fantôme. Acheté et équipé. J'ai combien sur mon compte en banque? 115 959. Oui, j'ai fait quelques missions solo pour me marrer. Une mission Grim, avec des vagues d'ennemis. Je me suis fait plaisir. Ok, bah c'est parfait. On peut y aller. On va juste voir au niveau de l'arme secondaire. Alors, vous voyez, l'arme secondaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la SC4000. C'est un gros engin, ce truc. C'est un beau joujou. Alors, il y a un silencieux. Elle est très puissante, assez précise, une portée convenable et puis pas mal de contrôle également. C'est une bonne arme. Après, il y avait les snipers aussi, mais sniper c'est pas trop mon style de jeu. Et puis bien sûr les fusils à pompe. Alors les fusils à pompe avec silencieux, vous avez vu la tronche du truc. Et ça, je peux vous dire que ça dépote au corps à corps, mais alors voilà, bonjour pour être au corps à corps. Là, ce sont les armes sans... sans silencieux, bah, du marché noir quoi, bon, ouais, elles sont pas géniales, hein. Elles sont pas super géniales. Ah, si, on peut quand même les améliorer, le goblin, ouais, non, elles sont pas géniales, au marché noir, je confirme. Ici, bon, pareil au niveau des mitraillettes, bon, voilà, j'ai choisi une bonne arme, quoi qu'il en soit, on peut y aller, sinon ouais, au niveau de la tenue, rien de spécial. Est-ce que vous voulez qu'on change la couleur? Non, j'ai envie de rester en bleu. Allez, c'est parti. On va pas perdre plus de temps. Infiltrer le QG des Alcott pour en savoir plus sur le lien avec la Blacklist. C'est parti, mes chéris. D'accord, pas mal, la Statue de la Liberté anti-américaine. Waouh. Voilà. Ajalekun, tu es tout ahmar. Eh ouais. Il a pris sa pause. Enchanté, mon général. Je ne parle pas aux espions américains. Putain, il a même pas du tout la même voix, tu sais. Éliminer votre femme et votre fils. C'est votre petite famille qui rentre du marché, non? Je me demande ce qu'ils ont préparé pour le dîner. Eh. On n'utilise pas ces méthodes-là chez les gentils, hein. Réfléchissez bien. Je dois entrer dans le QG de la Alcods. Vous allez m'aider. Je n'ai rien à voir avec la Blacklist. Votre parole ne suffira pas pour empêcher une guerre. Faites-moi entrer. Non, mais franchement, je suis pas d'accord. Je vais protester. On n'utilise pas ces manières-là chez les gentils américains. Je veux dire, bon... Non, mais oh... Alors tu vas être gentil, tu vas nous montrer comment on entre. Oh, Robert. Ne vous faites pas repérer, ne touchez aucun ennemi. Suivez. Être clair. Si vous blessez un seul de mes hommes, ma collaboration s'arrête là. Je ne veux blesser personne. Avancez. J'ai tellement envie de le tuer. On dirait que le bluff a marché. Confirme le go. Go. Pour moi, pour vos patrons américains. C'est pour que vous sachiez que je ne suis pas seul. C'est gentil. Sam. Quand tu seras à l'intérieur, trouve les serveurs et branche. Quoi? Mais comment il m'a vu lui? Mais non, mais t'es sérieux? Ah oui, mais je suis stupide moi, faut que je passe par là. Si vous ah non, oui, seul de mes hommes, faut que je passe par ici. Là. Ah je bah oui, je suis personne. Faut que je le suive moi. Avance tout droit, mon chou, t'inquiète pas. C'est pour moi, pour vos patrons américains. Je suis en filature, mon chou. C'est gentil. Sam. Quand tu seras à l'intérieur, trouve les serveurs et branche le disque dur. Il est programmé pour extraire tout ce qu'ils ont sur la Blacklist. Reçu. Ouais, t'es marrant, mais je fais comment, là, pour passer, là? Ah, mystère. Putain, comment je fais? La première fois depuis longtemps qu'un Américain a le cran d'entrer ici. J'adore la nouvelle déco. Ouais, on l'a bien modernisé depuis 79. Oh. D'accord, on a bien modernisé depuis 79, c'est super. En tout cas, j'aime beaucoup la déco chez vous, hein. Je vais occuper le garde à l'entrée. Préparez-vous. Bah ouais, ok. Sarbos. General, est-ce que fort? Emshabinja aux ors,
Tu veux pas aller voir ailleurs, Michel, s'il te plaît? Allez, fais pas l'enfant. Toi et moi, je suis sûr qu'on peut s'entendre. Mais non, t'es juste un petit peu con. Mais non, mais descends, crétin, descends. Si ça vient par là. Oh non, non, ça c'était pas prévu ça. Oh là là. Oh, oh non, putain, je dois me retaper tout plus le début. J'ai chier. À être clair, si vous blessez un seul de mes hommes, ma collaboration sera. Ah, t'inquiète, Patrick. Putain, ça va être compliqué. Je sens que. Peut-être pas voir par les gardes et les caméras de sécurité. Mais c'est vraiment. Là, je peux vous dire que ça va être compliqué. C'est pour que vous sachiez que je ne suis pas seul. Merde, merde, merde. Mais. Oh, la caméra dissidente. Bon, alors comme je voulais le dire juste avant, on est d'accord, il va falloir avoir une stratégie, un plan. Sam, on dirait que le bluff a marché. Confirme le go. Go. C'est pour moi, pour vos patrons américains. C'est pour que vous sachiez que je ne suis pas seul. C'est gentil. Sam, ça va être tendu, les gars, ça va être tendu. Et branche le disque dur. Il est programmé pour extraire tout ce qu'ils ont sur la blacklist. Reçu. Ça va être tendu. Ouais, il faut que je regarde par où je peux passer. Ah, mais je peux passer par là. Bah voilà, fallait le dire. Ah putain. Et moi j'ai joué la carte, on va dire. J'adore la nouvelle déco. T'as vu ça? On l'a Oh, je peux pas mettre au milieu, je suis deg. Putain, c'est chaud. Hein. Bon, si tu pouvais distraire les gardes au lieu de parler, ça m'arrangerait. Non, parce que bon, voilà. Ok, il suffisait de demander. Ah, évidemment, ça s'arrête là. Bon. Ça va être... Descends. Non, t'as rien vu. Vite. Ouh. Vous voyez ce parking? C'est par là que vous entrez. Je m'occupe du garde. La caméra, c'est votre affaire. Ce parking, je vous y retrouverai. Oh la vache. Ok. Ok, bah distrais-le. Moi, je passe. Non, mais. Tu passes par où là? Ouais, mais. Ah, ouais, d'accord. Vas-y, c'est ça, vas-y. Wouah! Ben les mecs! 8 ennemis non alertés! Oh là là! Ok, ok, on fait comme ça. Donc ne vous faites pas repérer. La dernière phrase du général dans la salle de surveillance ne correspond pas vraiment à son phrasé. C'est peut-être un code. L'IMS indique 37% de probabilité. Sois prudent. Oups. Il est en train de me mener en... On ne tire pas, oh. On ne sait pas s'il y a des copains. Toi, tire à nulle part. Il essaie de t'enfuir. Ok, bon. Tentative ratée. Bon, je sens qu'on va avoir plusieurs tentatives. Hein. Je suis au parking général. Ouais. Attendez-moi au niveau le plus bas. Bah écoute, j'aimerais bien, mais faut que ton ami... Fais pas ça, Sam. La dernière phrase du général dans la salle de surveillance ne correspond pas vraiment à son phrasé. C'est peut-être un code. L'IMS okay. A 37% de probabilité. Un ascenseur, un type ici, un type là. On va le marquer. Yes. Alors attention, paf, paf, paf. Tu ne m'as pas vu, Christophe. Si, j'ai pris la corde. Eh, cette lumière bleue, pardon. Je n'en ai pas encore fini. C'est presque réconfortant. Non, non, non. Non. Attendez, n'allez pas plus loin. Je suis از اون بخواهید تا یه نسخه از آخرین گزارش رو به شما بده و اون رو روی میز من بذارید. J'ai pas compris un seul mot, mais je voulais dire que la lumière bleue est du plus bel effet.
Ok, vas-y. Salut, Jean-Guy. Suivez-moi vite. On doit traverser des zones sous contrôle. Et ma puce RFID ne désactive les systèmes que durant un temps très court. Il a un doublage assez connu. Je reconnais sa voix dans plusieurs jeux. Traverser quoi? Les cellules. Ah. Où on garde les gens comme vous qui mettent le nez dans nos affaires. Je suis ici pour empêcher une guerre entre nos deux pays. D'accord. Pourtant, notre drone est dans l'espace aérien iranien. Parfois, le temps manque pour la négociation. Bah oui, regarde. Juste derrière cette porte. Ok. Eh, 7 ennemis non alertés. Eh, là, franchement, je maîtrise. On peut dire que je maîtrise le gameplay fantôme. D'ailleurs, ça se verra normalement à la fin pour les résultats. Donc, Christophe, tu vas commencer par avancer. Tu m'expliques ce qu'on fait là? T'attends quoi là? On y est presque. Restez près de moi. D'accord, ok, bon, oui. Attention. Je sens le gros piège. Pas problème. Je sens le gros piège. Oui, il se retourne. C'est le piège. C'est le piège. Je préfère encore voir ma famille mourir plutôt que de devenir un traître. Là, ce n'est plus du courage, c'est de la bêtise, oui. Général. Et là, t'as les... Voilà. Les Américains. Vous croyez avoir inventé le courage? Et ça, c'est l'équipe de nettoyage? Toujours, vous courez toujours, partout. Toujours de la blague. Vous brandissez vos armes. Vous menacez des innocents. Mais vous êtes impuissant face à la Blacklist. Je vais vous montrer comment traiter les terroristes. Grim, vas-y. Ah, mais je sais. Ouah. Pourquoi il y a des lumières bleues? Qu'est-ce qui se passe? Ouah. Attendez, j'ai pas compris là. Je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Ok, on s'échappe. Ils n'ont rien vu. Ok, alors là, les amis, ça va être le méga plan là. Hein? Mais pourquoi t'as pas pris ça? Triple bus. Non, ok, c'est bon. Parce que voilà, j'avais cherché à essayer de grimper par au-dessus. Et en fait, comme c'est dans le noir, j'avais pas vu que évidemment le tuyau était là. Donc on va devoir s'extirper par les tuyaux. Donc alors, plan d'attaque les amis, ça va être tendu. Il faut absolument pas se faire repérer, on doit s'échapper de la prison. Dispersez-vous et trouvez-le. Voilà. Alors, on va se les faire un par un, parce que je tiens à avoir un score de taré au niveau du gameplay fantôme. Non, je vous le dis. Non, mais je vous le dis, parce qu'il y a un moment... Voilà, toi, c'est bien. Alors, les mecs, ils n'ont rien tilté. Oui, il est mort, oui. Ça, je confirme. Voilà. Et normalement, il reste... il reste deux pécores. Hein. C'est Marcel et... Ah merde, ils sont deux là. Il est mort. Oh putain, il est juste pas assez long. Oh, je peux. Ah non, non, ils sont trois. Bon bah toi. Voilà. Comme ça. Lui c'était Jean-Claude. Jean-Claude qui était parti pisser en fait, on le savait pas. Ouais bah voilà, bah du coup bah fallait pas hein. Bon. Alors là faut pas que je me chie hein. Ah bah voilà. Tu vois, il suffisait que Jean-Claude. Lui j'ai l'impression qu'il est complètement bugué. Mais voilà, il suffisait que Jean-Claude s'approche. Bon, Marcel apparemment est endormi. On va tester notre deuxième arme. Voilà. Bah écoutez, la zone est dégagée. À mon avis, hein. Je crois que j'ai bien nettoyé. Donc ici, c'est la... je ne sais pas ce que c'est. Il faut bien que je fasse attention à regarder mon radar. Pour trouver tous les ordis, toutes les...
toutes les clés USB, enfin les objets bonus finalement, hein, pour faire péter le score. Par contre, je ne vois strictement rien. Il faudrait que je change, voilà, pour avoir la vision nocturne. Eh, c'est pas beau comme ça? Là, on y voit bien. On va garder cette vue pour l'instant. Ok. Alors là, bon, on est dans une prison. Ok, donc on va pas faire les fous. On va essayer de s'extirper, comme j'aime bien dire. De manière... Bien joué, Grim. Soft. Charlie a bien bossé. Il a piraté la sécurité pour couper le courant. Si on va ouvrir. Tu as juste le temps d'atteindre les serveurs avant que les systèmes de secours ne prennent le relais. Je vois un ascenseur, mais il est fermé. Il te manque la puce RFID pour passer. D'accord. Les gardes en ont une. Ouais, non, mais je crois que de toute façon, j'ai gardé le... Voilà, bah, exploration. Bah, ça me fait 100 points en plus. On crache pas dessus, j'ai découvert un passage comme ça. Bon, en même temps, il était un peu flagrant. On a plein de conduits d'aération. Je sais pas si on pourra sortir. Non, évidemment, on peut aller sur le côté. Oh là là, j'ai même pas réussi à lui viser la tête. Oui, bon, d'accord, c'est bon. Pourtant, mon viseur était sur sa tête. On se moque pas des gens comme moi. C'est une caméra, ça, non? Ah non, c'est une lumière rouge. D'accord. Ah oui, parce que oui, il y a l'alerte. Ok, alors lui, il a été alerté, le mec d'en bas. Attendez, à moins que le... Oh merde. Voilà. Et là, j'ai pas loupé la tête donc d'une pipe. Ce qui m'énerve, c'est que ça me fait un score en... enfin. Oups. 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 Je voulais pas. Ok. Ok. Heureusement qu'il est un petit peu miro, mais c'est pas grave. Alors là, le but. Ok. On peut pas passer par là. Ah, il y a pas d'interrupteur. Ah, les gardes le courant sont est revenu. Super. Il verrouille les escaliers. Ah merde. Attendez. On va s'équiper de la vision sonar, évidemment. Il y avait Jean-Marie derrière là qui attendait. Ah, mais ça c'est une très très bonne chose. Ah, on pouvait s'y rendre par ici. D'accord. J'aurais pu les avoir uniquement de manière aérienne. Mais là, comment je fais? Tu m'expliques? Non. Hein? Vite. C'est ça, viens. Viens. Allez, viens, viens, viens. Allez, avance. C'est les deux. Allez, viens. Allez, allez. Voilà, c'est bien. Ah, superbe là. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé une option qui est assez sympathique dans Splinter Cell, c'est qu'on peut attirer les ennemis en faisant psss, Michel. Oh, Michel. Voilà, et ça attire les ennemis, bien sûr. Et on peut se marrer avec ça, on peut les attirer dans des traquenards. Bip. Voilà, donc ça me faisait marrer. Donc, j'ai utilisé cette petite mécanique. Assez drôle, et j'ai quand même la classe. Hein. Oh là 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 là, je suis. Je surveille leur com. Ils ont appelé des troupes d'intervention. Ils vont passer l'endroit où paye une fin, étage par étage. Compris. Charlie, décris-moi la salle de décryptage. Il y a un algorithme de recherche sur le disque que je t'ai donné. Il va trouver et copier tout ce qu'ils ont sur sa disque ou la blacklist. Branche-le et il devrait récupérer les données. Ça va marcher. D'accord. J'ai rien suivi, mais c'est pas grave. J'ai tout compris. Sam, tu approches de la chambre forte. Tu as deux solutions. Ok, discret, tu passes par le système de refroidissement sous la chambre. Bruyant, tu passes par le terminal à l'arrière de la pièce pour pirater la porte. Non, personnellement, je préférais la méthode silencieuse. Et c'est quand que j'arrive là, parce que bon... Hein? L'ascenseur, bon... Ok, donc... Paf. De toute manière, il faut que j'accède au serveur. Pardon, j'ai du mal à parler. Ici, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, alors c'est une porte bloquée. Alors on va faire un petit état des lieux. Ah bah, déjà,
Marcel. Meurtre furtif. Quelle option avons-nous? Ok. Donc, des interrupteurs qui actionnent les lumières. Bon, jusque-là. Les gardes sont équipés de puces RFID qui ouvrent les portes sécurisées. Servez-vous des gardes pour progresser. D'accord. Ok, donc là, Marcel est là-bas. Ouais, mais Ah, faut que je porte son corps. Me dites pas qu'il faut que je porte son corps jusqu'à l'entrée quand même, si? Et merde! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, on va se laisser tuer. Oh putain, en plus c'est la porte est fermée. Ah merde. Non merde. Ah non, mais non, mais je suis con, j'aurais dû. Ok, bon. Là c'est complètement de ma faute. Ok, donc c'est avec leur corps. Avec leur corps, je dois lâcher leur corps. Ok, d'accord. Ça, au moins, c'est fait. Je suis au courant. Non, on va se servir du pistolet. Voilà. On va ramasser le corps et on va le lâcher. Merde. Oui, il l'a pas vu. C'est bon, c'est pas moi. Il y a un cadavre en plein milieu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous croyez que... Non, là, je suis visible. Ah non, je suis dans le noir, là. Ok, alors... Déjà, on va essayer d'intercepter ces messieurs. Nous avons une personne là-bas et nous avons un autre qui est assis. Ah bah tiens, on a un autre là-bas. Et l'autre là-bas qui est assis aussi. Vous voyez? Non! Merde! Trop loin. Donc là, comment je fais? Ça va être compliqué, ça va être compliqué là. Faut que... Ok, alors ça c'est une chambre, on va dire bien sécurisée. Alors, ici ça sert à rien. J'étudie l'environnement, voyez-vous. Ici personne. J'espère qu'il n'y a pas de laser ou de truc à la con. Ok. T'es pas sérieux? C'est pas sérieux là-haut? Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Oh, bah toi. Ok. Oh putain, t'es où? Oh, t'inquiète pas, il fait un petit somme. Ah, je sais. Est-ce que tout va bien? Je suis. Oh merde. Oh merde. Oh yeah! Oh oui, avec le jeu. Oh la cuisse quoi. Oh la cuisse pour endormir, ça c'est méchant. Donc, alors apparemment. Bouge. Il faut que j'arrive en fonction de la ronde du type à pirater quelque chose ici, non? Non? Ah, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Ah, une clé USB. Intéressant. Bon. Ce qu'il faut pas que... Il y a une porte là. C'est ouvert. Ok. Clé USB. Ah, c'est bon ça. Ah, et en plus, il y a un secret. 10 000 dollars dans les dents. Donc je vais utiliser la manière silencieuse parce Commence que je vous ai dit. Ventiler le gaz de refroidissement. D'accord. Les commandes doivent être dans quoi? Ok. J'espère que c'est la méthode ultra silencieuse parce que... j'espère quoi. Ok, bah là ça va être compliqué. Alors utiliser... Je sais absolument pas ce que je vais faire. Oups. Ok, c'était la version ultra bruyante. J'ai l'impression. Oh.
Je peux descendre ici? Oh. Ça va où? Je viens de trouver un truc... Je sais même pas où je vais. Ah. Ok, je suis là. Ah non, le mec est au-dessus. Ok, donc là je suis dans la pièce. Bon. Alors comment vous dire que ça va être très compliqué. Mais je peux pas de toute façon d'ici là. Attendez. Attendez, comment on va faire ça? Attendez, on va étudier toutes les possibilités. On va revenir. Paf. Là-bas. On va voir les possibilités qu'on a. Qui s'offrent à nous. Parce que je suis pas sûr d'avoir tout suivi. Ok, donc là on est en face, normalement. Est-ce qu'ici... Ah oui, voilà, forcément. Ah bah oui, forcément, ouais, c'est mieux comme ça. Oui, parce que moi, de toute façon, là, j'aurais pas pu progresser. Donc, alors maintenant, l'idée... Ah oui, mais non, je suis coincé ici aussi. Ah, j'avais pas vu ça. Hey, si, en fait, j'aurais pu... Hop. Oh là là, le drama. Donc, lui, je le marque. Où est son collègue? Attendez, j'éternue. Ce serait bien si je pouvais... Une exécution, pardon. Oh, ça va être tellement beau. Vous allez kiffer. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh. Et c'est... Bah, c'est la réussite. C'est l'amour. C'est là-bas. Je dois télécharger quoi là? Ah non, évidemment, c'est là-bas. Allez, grimpe, fais pas l'enfant. Mais t'es marrant, je fais comment moi? oui. Je fais comment? Grimpe. Non mais grimpe là, triple buse. Comment je fais moi? Attendez. Il doit y avoir autre chose là. Il doit y avoir autre chose. Je fais comment moi pour entrer? Ah, si je mets le corps. Attendez, on va voir si ça marche. Oh, je suis trop fort! Oh, je suis trop fort! Putain, c'est comme ça qu'il fallait faire en plus! Clé connectée. Merde, je dois aller où? Parfait, attends la fin du transfert. Les portes de la chambre forte sont ouvertes. Oh merde. Oh, j'aurais pas dû aller là. Oh putain, j'aurais pas dû aller là. Je me taille. Je me taille. On passe ici, les gars. Oh putain. Putain. Ils sont où? Pourquoi je les vois pas? Attendez, faut que j'éteigne la lumière. Voilà. Ok, un homme là-bas. Il est marqué. Maintenant, son collègue là-bas, il est marqué. Maintenant. Ils sont trois. Voilà, ils sont marqués. Donc lui, ça va être... Ah, il y en a un de plus, j'ai l'impression. Non, c'est ça, lampe. Ok, on y va. Personne ici. Oh, putain. Évidemment, le... Le putain de barreau de merde. Super, le transfert est fini. Récupère le disque et tire-toi. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Putain, c'est pas ce que je voulais faire. Le barreau m'a empêché de faire un headshot, vous vous rendez compte? C'est une honte.
Une honte, vous dis-je. Le mec est tout seul, tu sais, le pauvre. Bon, on va aller récupérer le disque. Voilà, j'ai un peu foiré. Oh mais non! C'est ça. J'ai le disque. Allez, me taille. Ah, salut Tucker! Tucker! Oh, c'est trop métal! Oula. Grim, le plan indique où je vais débarquer. Petit freeze là. Négatif Sam, l'IMS est muet comme une carte. Ah, vous êtes sérieux, le mec il atterrit. Il atterrit en face des types. Ah, ça c'est pas bon ça. Putain, là ça va être chaud. Oh merde. Oh merde. Putain. Alors là c'est tendu. Là les mecs c'est tendu. Dès qu'il vient je le chope. Putain c'est tendu les gars, c'est tendu. Ouh. Oh merde, il vient vers moi. Oh putain. Oh. Ah, je vous cache pas que c'est dur hein. Oh yeah. Et merde. Ok, ils sont encore deux. Bon, ils ont pas l'air très fut-fut. Pour l'instant, je maîtrise la situation. Bien, je veux bien un coup de main pour ça. Mais non. Allons-y. Oh merde. Donc, son pote arrive. Ok, bah va falloir faire ça à la furtif, les mecs. Sachant qu'il y a l'autre con qui est encore en haut. Yeah. Alors là, en mode faux filiation. Oh, j'adore inventer des mots. Tu vois quelque chose bouger? Non. Je vois rien. Merde. Ça, c'était un peu nul, mais je sais pas pourquoi j'ai loupé mon tir. Ah merde. Marque-les. Allez. Là-dedans. Bah oui, vas-y. Ok, vas-y. Oh, alors là, vous venez d'assister à une scène, comment dire, hilarante. Nous sommes en face des ennemis les plus teubés de l'histoire des jeux vidéo. Bon, allez, les mecs, venez me rejoindre. C'est vrai que j'ai un peu chier. Essaye d'éviter ça. Mais venez jouer avec moi. Putain, ils sont pas marrants. Comment je fais moi pour les avoir maintenant? Merde! Oh le tueur! Oh merde! Oh merde! J'ai trop obligé de me retaper la phase. Oh non! Oh merde. Oh là j'ai fait le con là. Non là c'est ma faute. Je voulais essayer de fermer la porte pour voir à quel point ils étaient teubés. Mais bon apparemment ils ont pas aimé. Ah je suis deg. Oui je confirme, je suis dégoûté. Oh putain.
Eh, ne vous amusez pas à faire ça, parce que putain. Je voulais voir si le mec il réagissait avec si je lui fermais la porte au nez en fait. Ok, bon alors toi, je vais pas te louper. Mais alors toi, je ne vais pas te louper. Je vais prendre le pistolet d'ailleurs. Le pistolet. Allez, vas-y. Amène ta petite bouille. Toi, je te regarde. Vas-y, c'est bien. Voilà. C'est bien. Après, il y a ton pote. Voilà. Et maintenant, il y a Jacob. Oh putain. Oh. Mais t'es pas sérieux? Mais me dites pas que c'est le barreau de... Mais non. Alors ça, non. Oh putain. Le barreau, l'espèce de nettoyeur là de sol à la con. Oh les gars, quoi. Vous êtes pas sérieux. Bon. Oups. Allez, bim. Bon, ça me fera du meurtre en combat, je suis désolé. Alors tout ça, j'aurais pu me le faire à la mode furtive pour avoir le max de points pour le mode fantôme. Eh ben non. Je me suis fait couiller. Et croyez-moi, j'ai bien les boules. On va descendre par là, c'est plus sécu. Je suis deg, quoi. Non, mais attendez, mais c'est le barreau, quoi. Non, pardon, pas le barreau. C'est le... Comment ça s'appelle? C'est le... Bah, le manche, quoi. Le... Oui, c'est ça, le... Oui, le manche. Non, pas le manche. Non, pardon, c'est pas un manche. Je m'exprime mal. C'est pas le manche, mais c'est le... Oui, c'est pour tenir, quoi, le... Oh, je perds mes mots, c'est assez affolant. Le barreau, quoi, le... Oui, bah pour tenir l'espèce de nettoyeur de... Bon, vous m'avez compris, bref. Hein. Et c'est ça qui m'a... Oh, ça, je peux pas le croire, quand même. Oh. Oh, c'est quoi, ça? Pour réaliser des scènes. Ah! Merde. Ah, et là, on a des forces spéciales. Merde. Merde, merde, merde. Ok, bon. Alors là, comment vous dire que ça va être tendu? Ça va être tendu du string. Surtout qu'ils peuvent me voir dans le noir. Voilà. Bon, alors toi, t'avais fait une grave erreur, c'est de te placer bah, pile là où il fallait. Ok. Donc, on a deux individus là-bas. Lui, il va y passer. Il va y passer. Là, on est en plein dans du Splinter Cell de haute compétition, là. Alors, on va attendre qu'il s'avance un petit peu plus. Oh, je pourrais utiliser le tri-rotor. Excellente idée, ouais. Excellente idée, le tri-rotor. Oui, je sais, je me fais des fleurs à moi-même. Voilà. 100 000 chasseurs de tête. Waouh. J'aime. Putain, merde. Oh, s'il était pas en face du gros là, je l'aurais tué. Ah bah voilà. L'exécution a fait l'effet. Ok, il reste plus que le gros là-bas. Alors ça va être très très tendu. Ok, l'ordinateur est pas très loin. Je remarque sur mon radar. C'est par là au moins. Oh merde. Ah merde. Ah ouais, il y a cette pièce aussi. D'accord. Alors, l'ordinateur a piraté est là-bas. Oh merde. Ok, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs là-bas. L'ordinateur est dans cette pièce. Va falloir le choper. Oh merde. C'est qui lui? Un homme à terre. Continue à chercher l'intrus.
Putain, merde. C'est ça, viens. Ferme-la. Ouh. Ouh la vache. On va reprendre des munitions. Ah, ça fait du bien. Et on va aller pirater ce foutu terminal. Donc, il reste que le gros. Le gros là-bas. Oh, le gros. Le gros qui fait chier, quoi. On va essayer de l'avoir là. Vous allez voir, il va rien comprendre. Oh, c'était beau. Et l'ordinateur qui est tout frais pour Bibi. Yeah. Super. En plus, ça me fait de la masse de fric. Par contre, c'est où qu'on doit se barrer là? Ah bah oui, forcément. Forcément, il y avait la porte. Non, je ferme la lumière. Merde. Merde, merde, merde. C'est moi qui l'ai laissé ouvrir. Voilà. Alors. Bon bah ça tombe bien, tu vas pouvoir m'aider à ouvrir la porte. Ah, merci Christophe. Fallait pas. Et moi je lance les cadavres parce que je suis un gros sadique. Ok. Ok, c'est bon. Je suis dans le hall et je vais sortir du bâtiment. Sam, il y a un portail sécurisé sur ton chemin vers le point d'extraction. Tu dois être près d'une salle de contrôle de sécurité. Connecte-toi au terminal et on craquera les portes. D'accord. Ah bah si vous craquez les portes, alors bon, moi je veux dire, je suis d'accord. Hein. Alors craquons les portes. Je veux dire, c'est un passe-temps. Laisse-moi regarder, je vais voir à quoi je peux accéder. Ah ouais, bah vas-y, accède. Oh, hein. Génial. C'est bon, Sam. Une minute et je t'ouvre un chemin vers la sortie. Ah bah... Ça donne quoi pour l'extraction? Que demande le peuple? J'y travaille, Sam. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des renforts qui débarquent. Oh merde. Charlie, accélère le mouvement. Je suis à fond, là. Aucune nouvelle de l'armée iranienne? Merde, merde, merde. Aucune. C'est bien ce qui m'inquiète. Ils font profil bas. C'est une situation plutôt embarrassante pour eux. Sors de là, Sam. Tu joues avec les forces spéciales iraniennes et tu manques de temps. Et voilà, c'est bon, Sam. Les portes de sécurité sont ouvertes. Je suis en route. En attendant, continue à chercher comment me faire sortir. Surtout pas par là. Ah. Bon. Il y a du bouclier. Ça c'était beau. Il faudrait que j'arrive à choper celui-là. Évidemment, il bouge. Merde. Alors là, gadget. Merde, 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 merde. J'ai fait le con. Ah, j'aurais pas dû. C'est une mauvaise cachette. Je suis en route. En attendant, continue à chercher comment me faire sortir. Bah, ça va être pas minu, hein. Ça va être pas minu. Enfin, neutraliser le mec au bouclier. Comment on va faire ça? Lui, déjà, faut qu'il clamse. Mais comment ils m'ont vu? Attaque!
Oh. Bon. Encore un essai, hein. Mais... Ah, oh, mais qui a ouvert la porte? En attendant, continue à chercher comment me sortir. Hop. Quelqu'un s'est amusé à ouvrir la porte. Et toi? Oups. Ok, bon, on va pouvoir se refaire ça. Alors... ok, bon, j'espère que c'est bientôt fini parce que ça fait longtemps quand même. Bon, alors là, ouais. Alors ça va être vraiment tendu de pas se faire repérer parce que déjà lui il faut qu'il parte. Lui il faut qu'il meure. Voilà. Voilà. Oh, t'es sérieux? Dégage, dégage. Mais non, t'es pas sérieux. Alors là non, Sam, je suis désolé, non. Oula, mon micro. Je suis en route. En attendant, continue à chercher comment me faire sortir. Bon. Non, d'une pipe. Je suis désolé, j'ai bougé mon micro si ça vous fait bizarre dans les oreilles. Voilà. Ah, bah voilà. Il y avait qu'à demander. Putain, c'était cet interrupteur à la con. Forcément qui éteignait la lumière. Bon. Bon. Ok. Bah là, au moins. C'est clair, vas-y, viens. Là, je peux me déplacer librement. Merde. Alors là, faudrait pas que je me fasse avoir par les barreaux. Là, ce serait très con. Oh, merde. Faudrait que j'arrive à choper celui-là. Merde, local. Mais non, mais meurs ou quoi? Mais putain. Oh là 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 là. Décidément. Je suis en route. Non, l'interrupteur de... Hop. Voilà, l'interrupteur magique. Je suis désolé là, mais je joue comme un pied. Hein. J'aimerais bien les avoir en mode furtif si c'est possible. Ah, bah tiens, je vais les endormir. Mais voilà la solution. Ou alors le tri-rotor. Bah voilà, j'ai trouvé. Alors d'abord, hein, puisqu'on fait les choses bien, toi, tu meurs. Voilà. Maintenant, on balance le tri-rotor. Allez, c'est parti. Alors, toi, déjà. Boum. Il y a une jolie petite musique, je sais pas ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Coucou! Je suis caché. Ah non non. Oh. Il est pas drôle. Ah, attends. Allez, t'allais pas me faire le coup, hein, putain. Alors lui, bon, je suis obligé de le finir au combat, lui, parce que sinon, ça l'aurait pas fait, quoi. Allez, on se taille d'ici. Ah, d'accord. Donc, il y a aussi dehors. Et l'exfiltration? Briggs arrive en camionnette. Briggs? Ah, en camionnette. On en parlera une fois qu'il t'aura sorti de ce guépier. D'accord. Retourne tout au bout du jardin extérieur. Oh, ça va être les réconciliations. Ça va être les réconciliations. Ok, alors. Ah, il faut pas oublier, ouais. Wouah, mais c'est là-bas. Wouah, les gars, quoi. Ah ouais, je sais pas où je suis là, mais c'est calé ici. Je sais pas où je suis.
Le mec il stresse là-bas. Ah bah oui. Ah il y en a un autre là-bas. Ok bah alors toi tu... Ah bah tiens il y en a un autre ici. Ah putain je dois le capturer. Merde. Alors toi tu vas dormir. On a perdu un gars. Que tout le monde fouille la zone. C'est quoi la... mon arbalète? Ah voilà. Oh. Oh non, je peux... Oh je suis deg. Je crois que le tireur est là-bas. Ah d'accord, on peut pas les capturer une fois qu'ils sont endormis. Ça c'est nul ça. Bon bah je suis dégoûté. Bon bah si je meurs on pourra recommencer mais sinon, sinon ça va durer trop longtemps. Oh putain. Mais arrêtez les gars avec ça. C'est un buisson, sérieux les mecs. Allez vas-y, allez on y va, on fonce. On fonce. Voilà. Non, non, je refais, non, parce que non. Cet épisode va durer très longtemps. J'en suis conscient, mais non, il faut arrêter. Et l'exfiltration. Briggs arrive en camionnette. En camionnette. J'adore comment elle dit ça. Briggs arrive en camionnette. Retrouve-le tout au bout du jardin extérieur. Voilà, j'aime bien quand c'est noir. Oui, ça peut paraître bizarre. Voilà. Quand on ne sait pas, on se tait. Alors, je ne sais pas du tout où est la cible que je dois capturer. Apparemment, elle est là-bas. Ah, il y a un vieux buisson qui m'empêche de passer là. Putain, en fait, il est pourri ce flingue. Comment j'ai trop attiré l'attention. On a un tireur. Allez-y, trouvez-le. Et merde. Allez, viens. Alors, attendez, on va se cacher derrière le pot. On va se cacher derrière le pot de l'amour. T'es sérieux? J'ai visé sa tête, les mecs. Arrêtez un peu. J'ai visé la tête, quoi. Voilà. J'ai visé la... Non, là, ça m'énerve parce que je fais des meurtres combat, quoi. Alors que j'ai visé la tête, sans déconner. Non, mais oh, je veux dire, bon. Allez. Allez, dis que je suis... Voilà. Voilà. C'est bon, comme ça je repasse en furtif. Et comme ça, tout va bien. Donc, faut pas que j'oublie qu'il y a le gros. Putain, c'est ces saloperies qui font la lumière. Oh. Oh merde. Là je suis complètement à découvert. Oh.
Mais en fait, le mec que je devais capturer, je crois que j'ai fait une petite bourde. Oh. Oh. J'ai plusieurs corps là. Passons d'alerte maximale, tous. Oh. Oh. Oh merde. Bon les mecs, putain, il est là-bas le bougre, hein, mais au final. Putain, ça fait une heure. Il faut que je termine cet épisode. Oh putain. Il faut que je termine cet épisode là parce que. Sinon on va pas y arriver là. Viens, Bilout! Hey, Bilout! Oh. Oh, ça c'était beau. Ça c'est ce qu'on appelle un finish. De maître. Le maître, c'est moi. Y'a personne, genre. Il suffisait que je dise ça pour qu'il y ait un type. Oh, hein. Bon. Ouf, il a pas aimé ça. Je crois qu'on peut arriver peut-être à maîtriser le gameplay fantôme dans cet épisode. Je ne vous garantis rien, mais je pense qu'on peut. Ah, nickel. Deux ennemis semés. Démarre. Mauvaise nouvelle. Je vois au moins une douzaine de véhicules qui se dirigent vers toi. Ah merde. Oh non, me dites pas que c'est pas terminé. Il y a une autre vague de véhicules ennemis qui approche. On n'a pas moyen de les éviter. Ah non, ça va être la cinématique de fin là. Il va falloir passer à travers. C'est-à-dire ? Passer à travers ? Je fais descendre le drone. Ça c'est le cadet de nos soucis. C'est le cadet. Missile AGM paré. Ah ouais. Négatif, je répète, négatif. Ils vont savoir qu'on est américain. Grim. Sur le drone, feu à volonté. Grim. Oh non. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oh non, non. Véhicule éliminé. Véhicule ennemi détruit. Ok, je dois défendre la... D'accord. Changer d'arme, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai les missiles. Merde. Bon, on va reprendre la mitraillette. Ouais, mais en fait... Ouais, mais en fait, ils se font défoncer. Notre véhicule détruit. En fait... Merde, on se fait remarquer. Je parle mal le farci, mais on dirait qu'on a réveillé tous les militaires du pays. Je parle mal le farci, tu sais. Ils vont bientôt déployer les défenses aériennes. Ah, merde. Merde. Bon. Éliminé. Putain, mais je me débrouille comme un dieu. Holy shit. Info iranienne récupérée. Succès débloqué. C'est tout. J'ai fait que 3000. Oh, j'ai fait que 5200 en fantôme. C'est tout. Ah, je pensais avoir fait plus, hein. Ouais, là, j'ai pas fait grand-chose. Panthère, là, ça va être ridicule. Quoi? J'ai fait 4600. Meurtre furtif, c'est Panthère. Mais comment je fais pour être fond... Ah, mais en fait, je suis complètement idiot, les gars. Parce qu'en fait, pour faire fantôme, c'est... Je crois qu'il faut tuer personne. J'ai l'impression. Faut tuer personne et ouais, faut faire sans armes, sans... Ouais, bon, enfin, c'est fantôme, quoi. Ça va être compliqué. En tout cas, j'ai 550 000 dollars dans mon... Sur mon compte, plutôt. 56 minutes, la mission, quand même. Hein. Wouah! Bah, putain. Cette vidéo, hein, c'est pour ceux qui aiment, hein, Splinter Cell. Hein. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui aiment. Wouah! Confirmé. Putain, pas mal.
Super. Bon, on va passer la petite cinématique puis on va cesser là parce que cette vidéo dure depuis trop longtemps. Je sais qu'une frappe non autorisée a été... Il n'y a pas eu d'attaque de drone, juste un dysfonctionnement très regrettable. Oui, bien sûr. Vous êtes dans cet avion pour une bonne raison. Vous êtes censé être mes yeux et mes oreilles sur cette mission. C'est le cas, Madame la Présidente. Sauf que je n'ai pas confiance. Allez, tu ne t'attendais pas à ce que je te félicite. Tu aurais fait la même chose à ma place. Risquer une guerre pour sauver ta vie? Ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de la mission. La présidente n'est pas la seule à avoir une bonne excuse. Les données qu'on a prouvent que l'Iran n'a rien à voir avec la Blacklist. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tu penses que j'ai fait un mauvais choix comme Briggs à Londres, c'est ça? Oh! Les décisions que nous devons prendre ne sont jamais simples, Sam. Jamais personnelles non plus. Ah, vraiment? Alors prenons un exemple. On sait tous les deux que tu prendrais tous les risques si la vie de Victor était en jeu. C'est qui Victor? Victor n'a rien à voir là-dedans. C'est pour lui que tu es dans cet avion. C'est qui Victor déjà? Ah oui, bah oui, c'est son pote. La seule chose la plus importante que la mission, c'est l'équipe. Je suis d'accord, c'est vrai. Grim. Oh, 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 la petite baffe. Oh, oh, oh. Merci. Oh, mais non, faut pas remercier. Tu veux me remercier? Par la Briggs. Oh. On aura besoin de lui si on veut réussir. Eh, hey, les gars, le mouchard qu'on a posé sur la bombe, il arrive aux États-Unis. Ah merde. Ah merde. Ah merde. On arrive peut-être à la fin du jeu. Le mec, tu sais. Non, je pense pas. 2 heures, ah bah si. Bon alors, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, les amis, car il touche à sa fin. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play. Allez, salut à tous et portez-vous bien.